Bonjour et bienvenue chez Simplement plein air. Mon nom est Guy Martin. Écoutez, eh oui, comme je l'ai indiqué dans mon titre, est-ce la fin? Est-ce la fin? Mais écoutez, vous allez voir, cette année, j'ai fait quelque chose de différent. Ça va peut-être en choquer quelques-uns, ce que je vais dire, mais écoutez-moi bien. Moi, cette année, à la chasse à l'orignal, j'ai fait les choses de façon un peu différente, avouons-le. Notre petit ami, tout le monde sait, GPS, mais pour moi, c'est la fin. Oui, c'est vraiment la fin du GPS comme on la connaît, pour moi. Je m'explique. Fais des recherches. J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTube. Vous allez peut-être me taper sur les doigts parce que moi, j'écoute beaucoup les émissions du côté américain parce que j'ai, comme vous le savez, été du côté américain pendant des années et j'ai chassé là-bas. J'ai chassé pas mal partout en Amérique du Nord. Puis je vous dirais que quand je vais à une chasse, OK, quand j'organise une chasse, j'aime le faire de la bonne façon. Et puis, je trouvais qu'il y avait un gros manque au niveau du GPS, un très gros manque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches en écoutant des émissions et tout, et je voyais que beaucoup de gens là-bas utilisaient leur téléphone, le cellulaire, hein? On appelle ça des petits appareils intelligents. Et oui, c'est le logo Simplement plein air en arrière. Bon, et puis moi, je me suis dit, ouais, cellulaire, je chasse pas dans des endroits où il y a du signal cellulaire nécessairement. Mais là, je me suis dit, écoute, j'organise toujours mes chasses. Y aurait-tu un moyen de trouver une application où je pourrais faire toutes mes choses, télécharger et faire une chasse, faire une sortie, mais bien éclairée, bien préparée. Et voilà que je peux vous répondre oui. Téléphone intelligent, là, nos cellulaires là, sont vraiment intelligents. Et puis, si vous voulez savoir l'application que j'utilise, j'en parlerai pas là, mais écoutez, laissez-moi un commentaire en bas et puis ça va me faire plaisir de vous donner l'application, de vous le dire. Écoutez, même que je vais le marquer en bas. Est-ce que je suis payé pour ça? Non, absolument pas. Mais je vous dirais que pour moi, c'est la fin des 700-800-900$ de GPS. C'est fini. L'application dont je vous parle m'a coûté $14,95. Est-ce qu'elle peut faire ce que mon GPS faisait? Moi, je vous dirais qu'elle fait encore plus. Plus que mon GPS faisait. Est-ce qu'on a besoin d'un signal quand on est sur place? Non, absolument pas. Même que moi, pour économiser, parce que là, pour pas que ça cherche le signal tout le temps, je le mets en mode avion. Et puis, je vous dirais que organiser mes chasses avec ça sont devenus un plaisir. C'est devenu littéralement un plaisir, car je vois le terrain. Je vois, c'est parce qu'on chasse en terre publique. Hein? Moi, je chasse en terre publique, et puis je suis une personne qui aime chasser sur les terres publiques. Mais je veux pas déranger personne. C'est pas mon but. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mes recherches. Hein? Comme on devrait tous le faire, d'ailleurs. En faisant mes recherches, ben je peux voir où il y a des camps. Je peux voir où il y a des tours. Mes points d'eau, mes élévations et tout. Je vous dis, il y a des couches en plus finir. Ça prend, je vous dirais, là, organiser une bonne chasse. On le sait que on va voir les coordonnées GPS. On va tout voir. On a toujours le GPS, hein, sur notre téléphone, by the way. On l'active naturellement. Moi, j'aime beaucoup ça.
Et puis même que je l'ai sur ma tablette aussi, je vais le voir en plus grand, je vais voir où je vais et tout. Ça m'a coûté 14,95 $. J'ai pas eu de cours à prendre. J'ai pas eu à me casser la tête. Puis j'ai pas à me casser la tête à toutes les fois que j'effectue une sortie. Je vous explique. Ce que j'ai fait quand j'ai téléchargé l'application, c'est que quand j'allais prendre des marches chez nous, pas loin de chez nous, je partais l'application. Boum, boum. Je me disais, wow, je me suis vraiment familiarisé sans prendre de cours. Je vous dirais, en un rien de temps. Je veux dire, ça a été niaiseux, là. Je vous dirais que l'application, pour en faire le tour, c'est une application qui a beaucoup de choses dedans, je vous dirais qu'en dedans 15-20 minutes, j'avais fait le tour. Je connaissais comment ça fonctionnait. Pas besoin de prendre un cours de 3 heures ou de 2 heures ou même d'une heure et puis de débourser des sous. Non, non, je l'ai fait intégralement. J'ai sauvé cet argent-là. L'argent est dans mes poches et j'en suis bien content. OK? C'est pas parce que je suis cheap, mais je voulais avoir de quoi qui n'était pas compliqué, que j'étais pas obligé de toujours upgrader puis aller chercher encore des sous, acheter des cartes où je voulais aller parce que ça couvre n'importe où au Canada. Peu importe où je vais chasser au Canada. Ça le couvre. Donc, 14,95 $, une fois. C'est tout. C'est tout, tout, tout. Je vous dirais que je suis parti dans le bois cette année. J'ai fait plus d'exploration. Je me suis senti plus en confiance. Parce que, oui, je l'ai pris 50 fois en prenant des marches. J'ai fait des waypoints. Vous savez, des points dessus. Et puis là, je suis rendu que sur mon petit cellulaire, je vous dirais que les couches de Rigno. Les points d'eau, les places où j'ai vu des traces, j'ai même pris des photos, j'ai tout mis ça là-dedans. En plus, je peux les envoyer à mes amis. Tout ça est là. Tout ça est dans une application à 14,95 $ qui est un no-brainer. Là. Pour moi, là, c'est vraiment, je vous dirais, terminé. C'est terminé. C'est la fin. C'est la fin du GPS comme on le connaît. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut l'acheter, là, c'est un petit G-Track. Il va très bien, il est neuf. Il est neuf, là. Il est à vendre. Je ne l'utiliserai plus. Donc, contactez-moi si vous voulez l'acheter, si vous voulez absolument avoir un GPS. Il y en a qui vont me dire, oui, mais en backup, c'est trop bon. Mais quand vous avez vos GPS, avez-vous un deuxième backup? Moi, en tout cas, j'en ai pas. Et pour, comme je vous ai dit, pour économiser la pile, la batterie, pour économiser mon énergie de mon cellulaire, mode avion, et ça fonctionne, le GPS fonctionne. C'est sûr, activez le GPS, hein? Si vous ne l'activez pas, il ne fonctionnera pas. Donc, dans toutes les... Hein? On l'a toujours, je l'ai dans ma poche. Je ne perds jamais de signal. J'ai parcouru... Je pourrais pas vous dire combien de kilomètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le nom de l'application. Je vais le donner. Non, je suis pas payé pour ça. Du tout. Du tout, du tout. Donc, écoutez, on va avoir du fun, avoir du plaisir. Allez le voir, parce qu'il y a la version gratuite aussi. Hein? By the way, c'est comme ça que j'ai commencé, moi. J'ai commencé avec la version gratuite. J'ai été tellement épaté de ce que j'ai vu que pour 14,95 $, je me suis dit, wow, allez, même s'il faudrait que je paye 14,95 $ par année. Mais non, c'est une seule fois, 14,95 $, et ça dépasse nettement toutes les GPS que j'ai eues. Puis peu importe le GPS que vous avez, là, même celle qui est rendue avec la radio, parce que là, on ne sait plus quoi faire avec le GPS pour garder l'engouement. Moi, je vous dirais, la seule façon que le GPS va falloir qu'il s'update, c'est d'avoir un téléphone satellite dessus. C'est la seule autre façon. Parce que le GPS, comme je le connais pour les directions,
pour moi, c'est terminé. Donc, sur ce, moi, je vous dis, écoutez, à la prochaine et laissez-nous un commentaire, un thumbs up, souscrivez à notre canal YouTube et on va vous amener des petits joyaux comme ça. Et puis, on va vous amener dans nos sorties, dans les choses qu'on fait. Oui, simplement, plein air, le vlog change. Et voilà, c'est la façon dont il change. Salut tout le monde!